Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Trek to Yomi sur PC en difficulté Ronin. Et nous sommes au chapitre 2 et je vais me faire défoncer la gueule. Alors sachant que... J'ai pas le jeu dans les pattes là, hein. On a changé de jour par rapport à la première VOD. Donc il faut que je me reprenne les commandes en main. Alors pourquoi le jeu lag par contre? Ça serait plaisant qu'il ne lag pas. Ah. C'était un peu trop impétueux. Allez hop, ça dégage la racaille. Quantité maximale de beau shuriken augmentée. Ok. Je sais pas s'ils sont à droite ou à gauche. Ah, à mon avis, ils étaient à droite. Mais tant mieux. Endurance augmentée. Let's go. Ça, on aime ça. La collectionnite qui t'augmente ton endurance, tes stats et tout. Y a rien de mieux. Non, parce que la collectionnite, où faut trouver des bibelots, on s'en balèque. Mais la collectionnite qui augmente les stats. Alors ça. Alors ça. J'espère que le retour est bon, ça m'a l'air pas mal. Alors par contre ouais, j'ai le jeu qui lagouille un peu. Ah ouais. Ça va la force du man. Beau gosse. Il a dit beau gosse. Tu verras si le jeu a trop de mal là. Je baisserai peut-être les graphismes. J'ai regardé un petit peu les notes du jeu et j'ai vu qu'il y a des gens qui se plaignaient un peu ouais, de l'optimisation du jeu. Quantité maximale de munitions atteinte. Quel tour. Ouais, surtout les phases de combat en fait. Aïe, je voulais faire une roulade. Je pensais que j'allais passer derrière, mais pas du tout. Enchaînement étourdissant. XXY, ce combo rapide se termine par un coup étourdissant. XXY. Ok, stylé. Stylé, stylé, il y a des combos. Ouais, le jeu a des pics de lag, hein, j'aime pas trop ça. On va baisser là. On va se mettre en élevé. Hop, on verra. Il faut qu'on baisse encore, on baissera, hein, tant pis. Hein. Coups finaux, vous pouvez exécuter les ennemis étourdis avec des coups finaux pour restaurer une partie de votre santé. Oh! D'accord. Très très fort. Très très fort ça. Trop stylé le combat. En mode ombre et tout là. Oh. Et rapide. Oh, je suis dead. OMG, je suis dead. Il a des coups rapides, c'est cool. Ah, c'est cool les boss ou mini boss qui ont des patterns un peu différents. Sinon ce serait vite fait chier dans le jeu. Putain, le bâtard, il esquive. Oh, ce que je viens de lui mettre. En fait, je l'ai assommé. J'ai réussi à l'assommer avec ma technique impériale du dragon de feu. Il m'a permis d'enchaîner avec le supplice du kraken. Du kraken endormi. Et du coup, on l'a achevé. Oh, un dogo.
Tu vas où le dogo? Nouvel objet de collection. Beau shuriken. C'est que du bonus ici. Y'a plus le dogo, il est parti le dogo. En fait c'est dur de placer des combos. Oh le bâtard il a attaqué deux fois. En fait c'est vachement dur de placer le combo étourdissant parce que... Parce qu'en fait quand tu mets un coup le mec il recule instant. Donc t'as pas la range. Je sais pas si... Vu que ça reload, je sais pas si les trucs ici ont été récup. Ah le bibelot oui mais pas... Et pas le beau shuriken. Oh, c'est dur de... En fait, t'as pas le temps de faire deux attaques. C'est pas grave hein. On les découpe hein, ça marche aussi hein. Oh, ils sont si rapides. Ils sont si rapides les nouveaux là. The new guys are so fast. Oh quoi? C'est quoi ce que je viens de faire là? En fait je bloque et après je mets des coups rapides genre. Mais je bloque longtemps. C'est très bizarre. Je sais pas ce que j'ai fait. C'était très stylé en tout cas. En fait, je peux juste maintenir le... juste maintenir la garde, en fait. Ad vitam aeternam. En fait, je pensais qu'il y avait un timing de parade, mais je suis même pas sûr qu'il y en a, en fait. Merde, j'ai plus d'énergie. Ouais en fait, il y a un certain counter qui me fait faire deux attaques rapides d'un coup. C'est peut-être ça la parade, une parade parfaite, j'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, les mecs rapides, et ben ils sont chiants. Attends pourquoi ? Il y a un troisième mec ici d'habitude ? Mais il vient de me faire trois attaques. Petit shuriken bon dans la gueule. Ah ça là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas d'où ça vient. Oh, il m'a découpé. Mais je pense que ça a des désavantages de rester avec le... avec la garde levée en fait. Je pense que je dois perdre beaucoup plus d'énergie, non? Il y aura un délire comme ça. Parce que là comme ça quand je tiens je perds pas d'énergie. Je sais pas, je comprends pas trop. Et là je viens de faire un double. Je sais pas pourquoi. Hup.
lancé les deux alors qu'il en fallait qu'un. Ah, je sais pas trop. Je sais pas d'où il vient ce double coup. Ok. Oh putain, c'est vrai qu'il attaque trois fois lui, de temps en temps. Des fois c'est deux, des fois c'est trois. J'ai plus de beau shuriken. Ok. Konnichiwa, salut Mimi. Comment tu vas? Ok, j'emprunte un autre chemin. Quitte à me balader sur les falaises. Pourquoi pas? C'est pas du tout risqué, c'est ça qu'on aime bien. Et bien et toi? Ça va, tranquille. Aujourd'hui, objectif, on continue et termine Trek to Yomi. Parce que vu qu'il part du Game Pass dans deux jours... il faudrait qu'on le fasse avant qu'il ne soit plus disponible. Ça pourrait m'éviter de l'acheter. Je le dis pas non. Alors attends, parce que du coup là ça va où? Il y a l'air d'avoir quelque chose aussi ici. Non, parce que là il y a des mecs en fait. Et là en haut. En fait là tu passes en haut. Ah, c'est peut-être pour les tuer. Et boum. Et voilà. Une mission rondement menée. もう案ずることはない。私気ない。若い岡田。もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くと、この鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。 Voilà. C'était facile. C'était plutôt facile le combat. Itobi Secret Mine est presque fini. Deadlight. J'ai démarré After Us. Il est trop beau mais pas facile. J'ai joué à aucun des jeux que tu viens de dire. À aucun. Mais t'enchaînes hein. Dis donc. Et dis donc. T'enchaînes. Passage en haut, passage en bas. Ça sent la sortie à droite. Alors que à gauche, ça sent peut-être plutôt le bonus, non? Oula, moi j'aurais pas fait tomber la planche comme ça parce que ça a pas l'air très solide quand même le tout. Hein. Objet de collection. Ok, c'est juste pour ça. After Us, ça va être long, je pense. Je connais pas du tout. Deadlight, je connais. Toby Secret Mine, je connais pas. After Us, je connais pas. Enfin, de noms comme ça, ça me dit rien. Après, peut-être avec des images, je peux peut-être reconnaître. Parce que je regarde beaucoup de trailers de jeux. Et je suis beaucoup les. Pas les conventions, mais toutes les. Comment on appelle ça ? Les présentations de jeux quoi, tous les showcases et tout. Donc je vois beaucoup de jeux défiler, mais je me souviens rarement des noms. Le rigid body qui fait n'importe quoi. Non, je viens d'utiliser un... Je viens d'utiliser mon dernier bow. Ah oui, parce que c'est LT et RT pour le bow. C'est les deux. Ok, je savais pas. Je pensais que c'était que RT. My bad là-dessus. Nouvel objet de collection. Ok. Pas de truc qui monte mon endurance ou quoi là.
Dommage. After Us devrait te plaire. En plus, les graphismes, je kiffe. Enfin, tu verras bien. Je regarderai après, après ma session de jeu. Là, je regarderai un peu les images. Je regarderai des vidéos du jeu. Poing. On peut pas monter là ? Plus d'un geste. Brigand. Tiens, prends ce beau shuriken. En fait, les parades parfaites, tu te rends vraiment compte de l'utilité des parades parfaites pendant les combats de boss en fait. Hop les... Enchaînement fort. Y. Ah ouais, maintenant je peux faire deux Y d'affilée. Oh, c'est pas mal ça. Peut-être qu'il y a des jeux auxquels tu n'as pas accès avec le Game Pass. Ah bah oui, c'est sûr, oui, bien sûr. Bah de toute façon, en fait, je me limite pas qu'au Game Pass, hein, bien sûr. En fait, tous les jeux que j'ai pas sur le Game Pass... Je les achète en fait, tout simplement. Pas de soucis là-dessus. De toute façon, j'ai tout. J'ai un PC avec tous les launchers possibles et inimaginables. Et j'ai aussi une PS5 quand il n'y a que des sorties exclusives à la PS. Donc je peux couvrir. Et j'ai la Switch aussi. Donc je peux couvrir tous les jeux qui sortent. Ça, c'est pas un souci. En fait, du coup, j'ai tellement de. J'ai tellement tout à faire que des fois c'est dur de savoir quoi faire. Oh mais c'est trop cheaté le double Y. Depuis que je peux faire ça, c'est trop fort. Je touche à tout le monde. C'est trop fort. C'est bon, il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu, c'est terminé. J'ai terminé le jeu. Double Y. J'ai bien équipé. Ouais. En fait, moi, j'ai pas vraiment de préférence. Enfin, si, le PC, on va dire que c'est ma console, entre guillemets, préférée. Mais en fait j'aime tous les jeux vidéo, en fait genre vraiment j'aime toutes les licences, j'aime beaucoup de licences, j'aime beaucoup de jeux vidéo. Donc ouais. J'ai jamais eu ce truc de guéguerre de console ou quoi, donc j'ai pas 5 ans quoi. Moi ce que je veux c'est des jeux vidéo. Maintenant je me limite, je démarre un jeu, je finis, le problème c'est de se remettre aux commandes après quelques temps. Exactement. C'est ce que j'essaye de faire aussi depuis quelques années de plus en plus, surtout avec la sortie du Game Pass et tout, où t'as vraiment des jeux en illimité. En fait, tu peux lancer n'importe quoi, n'importe quand. Et du coup, c'est dur de se fixer sur un jeu quand tu peux en installer 50 et en jouer à 50. Au début, c'est ce que je faisais. Maintenant, j'essaye de me limiter et j'essaye de finir les jeux. Parce que sinon, tu te perds, en fait. Tu te perds toi-même. Tu commences tout et tu finis rien. Et c'est terrible. Oh non ! Il me restait un point de vie. Il me restait juste un point de vie. Et ils ont pas mis de save à l'intérieur du village. Oula bah, je vais me laisser tuer parce que là c'était nul. Je suis au boss de Ratchet après quelques temps, j'arrive plus.
exactement ça. Ratchet, le Ratchet le dernier, Rift Apart. Ratchet et Clank Rift Apart. Je me suis pris des coups, non celui d'avant, ah le remake. C'est Ratchet, c'est le premier Ratchet mais ils l'ont remake sur PS5, c'est ça? Il faut que j'évite de mourir. Ok. Nouvelle compétence débloquée. Avant plus, maintenir BY, cette attaque déstabilisante se lance pendant une course. Maintenir avant... Attends, quoi? Mais c'est quoi avant plus maintenir? On a fait le Ratchet en coopération avec mon âme et pareil, on n'arrive pas à passer le boss final. Ah ouais, putain, je me souviens plus qui c'est. Je me souviens plus qui c'est le boss final. C'est l'alien là, le méchant de... De tous les Ratchet là. Je sais plus comment il s'appelle. Avec sa. Il a une tête dans un bocal là. Le résumé. Nefarious, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Nefarious, non? Le petit bonhomme vert, exactement. Ah, la sauvegarde. Lui, il lui faut un saut, lui. Il veut un saut, je crois. Je sais pas si je peux vraiment lui rapporter un saut. Non, nous on s'en va. Oh le perfect. Oh le perfect que je lui ai mis. Là, par contre j'avais plus d'endurance. Olé olé. Quoi? Et boum. Dame, dame. Oh, cet endroit caché. Oh oui. Beau shuriken récupéré. Et y'a pas autre chose de caché là? Oh, c'est une sacrée cachette pourtant. Un peu déçu qu'il n'y ait pas plus. Oula. Vous devriez partir vous là. C'est pas très conseillé de rester... Rester ici avec une charrette qui brûle juste à côté d'un bâtiment en bois et en paille. Il est vraiment joli ton jeu. J'aime le monochrome. Ouais, ça donne un sacré style au jeu. Hein. Aïe! Ça donne une sacrée ambiance. Attends, mais le mec, en un coup, il m'a enlevé toute ma vie là. Il me reste qu'un seul carré de vie. Vraiment? Ah ouais. Vénère un peu le mec. C'est bon, j'ai tué le mec qui avait chez toi. C'est bon? Ah oui, je peux lui parler.
Est-ce qu'il va me donner quelque chose? Beau shuriken récupéré. Oh. Oh. J'ai un peu déçu. M'attendais à de l'endurance supplémentaire, j'avoue. Quantité maximale de munitions atteintes. Et en plus, il y en avait un ici de beau shuriken. Ah, santé augmentée. Oh. Ah, bah, je suis pas venu ici pour rien. On a un carré de plus, ça veut dire. Je crois que c'est ça, hein. Quand on a santé maximale augmentée, je crois que ça nous augmente un carré. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. 3, 6, 7, 8. Je suis à 8 carrés. Tiens, prends ça. Suis-je en train de mourir? Attends, parce que là, il y a plusieurs chemins, là. Compliqué de comprendre où est-ce qu'il faut aller. Volte-face faible, arrière XXX, réaliser deux attaques faibles supplémentaires après une volte-face. Ça? Non, c'est juste les attaques normales. Bon, je sais pas. Il y a plein de combos et je pense que je vais en utiliser que deux en fait. En Bretagne, il pleut tout le temps dans ton jeu, c'est vrai. C'est peut-être l'équivalent de la Bretagne, mais au Japon, tu vois. Peut-être. Et bonjour Goéland, comment vas-tu? C'est peut-être le nord-ouest du Japon, tu vois. Ah, il a essayé de les arrêter, mais il n'était pas assez puissant. Présumé le Japon en réalité. Oui, c'est vrai. Ça va et toi? Ça va. Ça va aujourd'hui. Objectif, on continue et termine Trek to Yomi. Je pense que je n'arrête pas le stream minimum avant d'avoir terminé ce jeu. Endurance augmentée. Ça, ça fait plaisir. Et puis si je suis chaud, on enchaînera sur autre chose. Mais bon, déjà, Trek to Yomi, ça va nous prendre bien toute l'après-midi jusqu'à début de soirée, je pense. Eh oui, c'est moi le meilleur. I'm the best. Comme ça qu'on fait par chez moi. Oh, oh l'éclair, c'était trop beau. Ah, j'ai essayé de faire un volte-face rapide, mais ça a pas fonctionné. Ça n'a point fonctionné. Il y a un 100%, bah il y a un 100% dans tous les jeux. Après, c'est à toi de décider ce que tu veux faire pour le 100%, quoi. Pas le 100% legit, oui, je pense que c'est récolter tous les collectibles. Parce qu'il y a des collectibles dans le jeu, il y a ça là. Il y a des collectibles et en plus, il y a aussi certains endroits où tu chopes des compétences. C'est, en fait, il y a des petites quêtes secondaires qui sont pas indiquées ni rien. Mais en gros, s'il y a de temps en temps, tu sauves un villageois et tout, il va soit te donner un boost d'endurance, un boost de santé, il peut te donner une nouvelle compétence, enfin tu vois. Il y a un vrai 100%.
Après, est-ce que je vais le faire? La réponse est non. C'est bien que mes jeux, la plupart du temps, c'est je les finis dans le mode de difficulté le plus haut que je peux faire et après je me casse quoi. Et après je fais autre chose. En fait j'ai un peu de mal aussi. Tu vois les limites, faire un 100% d'un open world c'est beaucoup plus chiant, mais je préfère un jeu d'aventure solo où t'avances tout droit en couloir. Pas pour moi, pas assez doué pour le 100%. Après ça dépend, il y a des jeux c'est pas si compliqué que ça les 100%. En fait quand c'est juste de la récolte, mais en fait il y a juste des trucs cachés. En fait avoir un jeu comme ça solo où juste je vais mettre un guide sur mon écran à côté pour montrer tous les secrets du jeu et les ramasser et devoir recommencer tout le jeu chapitre par chapitre, ça m'intéresse pas tu vois. Mais après chacun sa façon de jouer et chacun sa façon de consommer les jeux vidéo bien évidemment. C'est pas parce que moi je fais pas que je trouve ça nul hein, attention. Chacun fait bien ce qui lui semble le mieux pour lui bien évidemment. Objets de frénésie, vous pouvez utiliser des objets de frénésie pour débloquer ou optimiser vos attaques et vos compétences. C'est-à-dire... quantité maximale de beaux shurikens. Attends, mais je viens de ramasser autre chose là, non? Il me parle de frénésie. C'est quoi ta frénésie là? Ah, quantité de... ah, je viens d'augmenter ma quantité de beaux, je crois. Je crois que c'est ça qui vient de se passer. Mais c'est quoi le truc de... c'est quoi le truc de la frénésie là, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il nous raconte avec sa frénésie l'autre là? Oh, y a deux beaux shurikens là. Monter sur les toits. Bizarre. Pas le meilleur moyen pour se déplacer de monter sur les toits. Toi que tu me diras chez eux. Chez eux les toits font en sorte qu'on puisse monter dessus. On fait en sorte que l'on puisse monter dessus plutôt. C'est plus français. Oula. Ok. Chouin. En fait quand tu fais une parade parfaite t'es vraiment bien récompensé parce que du coup tu fais un peu basculer l'ennemi, donc c'est fort et c'est mérité et c'est bien trouvé. Par contre quand tu fais pas une parade parfaite, ils auraient dû mettre une punition supplémentaire moi je trouve. En fait t'as pas de punition entre guillemets à ne pas faire une punition, à ne pas faire une parade parfaite. Genre tu perds pas assez d'endurance et tout je trouve. Ils sont pas assez méchants. Du coup en fait que tu fasses une parade parfaite ou non, bah ça change pas grand chose. Je trouve. Platine Omno c'est tout. Je sais même pas si je l'ai le platine d'Omno. Il était facile à faire mais je sais même pas si je l'ai fait. Parce que fallait tout référencer et tout. Je crois que je l'ai fait. J'aime bien voir ce que c'est, ce que j'ai loupé dans un jeu perso, mais c'est vrai que juste des collectifs c'est pas toujours ludique, mais quand pour le 100% tu trouves des easter eggs c'est super cool. Logiquement si tu finis l'histoire de The Last Campfire t'as le 100%. C'est pour ça que j'ai recommencé Kena en Game Plus, essayer de trouver ce qui manquait, je l'ai fini, Last Campfire, trop beau.
Ouais. Bah, en fait, je suis d'accord avec toi, Goéland. Je suis même totalement... Oh, quantité de beaux shurikens augmentée encore. Putain. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu vois... Oh, santé augmentée aussi. Putain, mais on se met bien ici. Petit sanctuaire caché, là. Et tu vois, la plupart du temps, en fait, ce qui est un peu chiant, je trouve, et qui casse un peu le truc, donc si, oui, c'est bien d'avoir des Easter eggs avec des succès qui y sont reliés. En fait, la plupart du temps, il faut regarder des guides. Regarder des guides sur Internet pour les trouver, en fait. Du coup, ça perd un peu de son intérêt, je trouve. Oh, je suis fatigué. Comment il traîne la patte quand il est fatigué, c'est abusé. La grande place. Ok, à mon avis, on arrive... je pense qu'on devrait arriver vers la fin du chapitre. Oh, il y a des têtes empalées sur les pics. C'est fou, ça, hein, qui faisait ça à l'époque, quand même. Enfin, c'est vrai que c'est intimide, hein. Moi, je vois des têtes sur des pics, je recule, hein. Oh, lui il a une grande lance. Oh non, ça va être dur. Oh le bâtard. Il a bien attendu qu'on arrive pour les achever devant nous. わが君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども、皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば、案ずることはない。Quant à toi, cet endroit sera ta tombe. Il a une barre de vie de boss. C'est mon premier vrai boss. Et il est en train de me défoncer ma race. Oh. Ok, il m'envoie ses sbires. Classique, classique boss qui a peur. Ah, je suis mort. Classique boss qui a peur. Tu vois ça, j'aime bien. Quand il y a des ZAD, mais que le boss est plus là. Ça c'est intelligent. Ça me dérange pas de faire des ZAD. Ils sont pas mélangés au boss. Pour revenir à Kena là. Le mec l'a vraiment trop eu mauvaise. Oh, il m'a défoncé. Il y a quand même des timings à avoir avec le boss. Il est pas gratuit. Oh, je l'ai cancel. Oh, faudrait éviter que je perde de la vie contre les sbires quand même. Merde, trop tôt. Il me reste un mid-life contre le boss. Ok, je peux prendre encore qu'un seul coup. Ok, c'est bon. Et boum. Terminé le chapitre 2. C'était un subterfuge.
Non, je sais plus comment elle s'appelle ma meuf, mais ma meuf, non. Non. Je connais pas Xing, je connais pas non plus. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah, c'est ça, Aiko. J'espère qu'Aiko elle est pas morte. C'est ma waifu. Aiko dono wa tsuyoku. Murabito mo uyamatte orimasu. Tengai kodoku to natte shimaimashita ga. Mina no tame ni seishin seii tsutomeru kakugo de gozaimasu. O hitori dewa arimasenu. Sensei ni ochikai shita you ni. En fait, j'ai dit ma meuf, mais je sais même pas si c'est ma meuf ou si c'est ma petite sœur en fait. Bizarre l'inceste au Japon là. Bizarre. En fait, je sais même pas. J'ai pas assez bien suivi l'histoire. Ok les amis sur YouTube, on va se laisser ici pour clore ce chapitre 2. Je vous fais des bisous, on se retrouve pour le chapitre 3 dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.